Aiguillage saison 3, le podcast du tourisme et des loisirs ferroviaires. Aiguillage est produit par Big Pebble, formation et conseils en communication par les médias numériques. Visitez notre site www.bigpebble.com. Ultime rendez-vous en Baie de Somme, en tous les cas pour cette série de reportages. Je vous retrouve au Crotoy. Ce matin, c'est la 130 Corpel-Louvet numéro 1 qui assure le premier départ à 11h30. Ce voyage sera l'occasion de vous parler un peu de l'histoire du réseau et de la Baie de Somme. Tout commence dans les années 50, 1850. Saint-Valery-sur-Somme est alors un port très actif. On y transporte des coques et des galets, et la Compagnie du Nord décide alors de créer un embranchement sur la ligne Paris-Calais pour rejoindre Saint-Valery à partir de Noyelle. Et de Noyelle à Cailleux-sur-Mer via Saint-Valery. Mais la Compagnie du Nord a construit son réseau à voie normale et la SE a opté pour des raisons d'économie pour du matériel à voie métrique. Quatre fils de rails sont donc déposés, la voie métrique étant imbriquée dans la voie normale. Les locomotives de la SE sont équipées d'un double tamponnement, leur permettant de tracter aussi bien des wagons à voie métrique que les wagons à voie normale de la Compagnie du Nord. Et voilà que nous arrivons à Noyelle, au rendez-vous de midi avec le train en provenance de Saint-Valery, qui a failli se faire attendre ce matin. Midi, c'est aussi l'heure de la correspondance avec la SNCF. Ouais, d'accord.
et nous voici repartis en direction de Saint-Valery, engagés dans la fameuse traversée de la baie. Comme vous le voyez, l'estacade de bois a disparu. Elle a été victime de l'érosion et de l'ensablement de la baie. En 1911, elle est remplacée par une levée de terre. À l'origine, les ateliers que vous voyez ici étaient le terminus de la ligne et le relais était pris par des chevaux pour la traversée du canal de la Somme. Terminus, tout le monde descend, c'est la fin de cette série de reportages consacrés au chemin de fer de la baie de Somme. La semaine prochaine, Aiguillage vous emmène en Bretagne et je vous proposerai de rencontrer le président et fondateur de l'association du chemin de fer de Centre-Bretagne. Aiguillage se télécharge en podcast. Se regarde sur le web www.aiguillage.eu. Retrouvez-nous également sur les médias sociaux, Flickr, Twitter et Facebook.